reprendre la partie. Dans un monde carré, un enfant perdu essayera de devenir le roi d'une ville. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va se mettre en vue subjectif. D'ailleurs, c'est qui toi? T'es un caméraman qui veut pas parler, c'est ça? Bon, on va faire comme si tu t'étais pas là. Ah d'accord, t'es en train de me dire que tu vas mettre ça sur une chaîne YouTube qui s'appelle Mamlazizou. Ok, bon. Bon, je sais pas quoi faire alors. C'est quoi ça? Eh ben, vous qui me regardez, je suis dans un monde perdu. Hein? Oui. Et je sais pas quoi faire. Déjà, on va prendre mon téléphone. Tac, voilà, mon téléphone. Y a pas beaucoup de choses, hein. C'est un iPhone 1 en même temps. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Tac. Ok. Il y a une musique bizarre qui vient tout seul, je sais pas. Elle me saoule, en fait. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Ah, d'accord. Des planches de bois. Mais à quoi ça va me servir, tout ça? Quoi, ça pourrait... Ah, une pomme. En cas où que j'ai faim. Ok. Bon, on prend tout ça, hein. Ça, on va le mettre là. Ce bois, il est trop bizarre, c'est pour ça. On va encore baisser un peu le son de cette musique avec mon iPhone 1. Voilà. Bon, le coffre, on va essayer de le casser. Si on peut. Voilà. À quoi on peut les récupérer? Ah d'accord. Bon alors, où je suis? Dans une forêt, c'est ça? Bon. Eh ben c'est parti. En route pour l'aventure. Putain, j'ai peur. Hey petit, je t'explique des règles. Tu décides enfin à parler, toi? Bon alors, petit. Je t'explique toutes les règles qu'il faut savoir sur ce jeu. Quand la nuit tombe, comme ce qui va se passer maintenant, tu dois vite te trouver un petit lit, mon pauvre petit. Car si tu es en danger, tu respawneras. Respawner, ça veut dire quoi, ça? Respawner, c'est simple. Tu meurs, tu réapparais la première fois où t'es venu. À part si tu dors dans un endroit, tu respawns où tu as dormi la dernière fois. Ben d'accord, merci. Ben merci, enfin, caméraman. Et tu passes ça, tout ça, quand? Ça sera tous les mercredis, les mardis. Ok? Sur la chaîne qui s'appelle Mamlazizou. Quand t'essayeras de sortir de ce monde, t'essayeras d'aller voir tout ce bordel. Je te dis. Tu vois ce qui vient de se passer? C'est un monstre car il fait nuit, donc tu viens, tu devrais plutôt aller te trouver un lit. On parlera de tout ça après. Ok, merci. Bon, sous caméraman, on se décide enfin à parler. Alors, on va prendre... Bon, je pense que le plus puissant pour tuer des animaux, c'est la hache pour l'instant. Il m'a donné quoi? Oh, il m'a donné de la laine. Et caméraman, tu sais comment il faut faire des laines? Bah oui, c'est simple. Tu te fiches de moi ou quoi? À ton avis, comment faire un lit? C'est fait de quoi? De laine, bordel. Bah, je sais pas, moi, il est fait en mousse. Bon, ferme ta gueule et tue ces moutons. T'as besoin que de 3 laines. Mais comment on construit un lit? Je suis pas maçon, moi. Pas besoin d'être maçon pour savoir faire un lit, espèce d'idiot. Coupe du bois. Avec quoi? Avec une hache, bordel. D'accord. Il faut en couper combien? Mais ça suffit, espèce d'idiot. Va t'en construire. Mais comment il faut faire? Avec ton téléphone, il y a une autre option. Clique sur le menu Home. Ah ouais. Ah bon, par contre, il faudrait que tu fouilles, parce que là, il y a une araignée qui est en train de te tabasser, hein. Ah oui, j'avais oublié de te dire un truc. Pour reprendre ton énergie, au cas où tu vas crever, mon pauvre, parce que ça va t'arriver plusieurs fois, mon pauvre, il faudrait déjà que tu bouffes. Ok. Bon, d'abord, je vais aller faire ton truc. Construire une table. Comment? Avec du bois, non? Ben oui, pose-en partout. Ah oui. Ah d'accord. Je commence à comprendre. Ton téléphone te sera très utile pour dans cette aventure. Pose ce truc que tu viens de construire par terre. D'accord. Va dedans. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire? Construire ton lit. Mais comment?
les bois en bas et la laine en haut. D'accord. Voilà. Voilà, t'as tout compris. Il faut les planches. Ok. Il me faut de la laine en haut. Oh, c'est magique. Allez. On va le poser par terre. Hop là. Hé, hey, caméraman. Pourquoi il veut pas me répondre? Putain d'araignée. Vaut mieux que je la tue. Avec cette hache. Ah, voilà. Vite, je vais dormir. Oh, je peux écrire des trucs. Cool. Ah, il fait jour. Hey, je suis relâche. Bon alors, je vais pas trop causer avec toi. Là, c'est la première fois que tu découvres ce monde cubique, hein, où t'es bloqué. Je t'explique juste les règles, mais je parlerai pas trop dans les prochaines fois. Ok, tapette. Pourquoi tu m'appelles tapette? Ferme ta bouche. Un animal. Bon. Je pense que je vais aller chercher plusieurs bois. Non, parce que là, je sais pas quoi faire, franchement. J'ai peur de ce monde bizarre. Pourquoi tout est carré? Qui m'a envoyé dans ce monde? J'étais en train de dormir tranquillement chez moi. Et, attends. Je pense que je viens de penser à un truc. Je suis dans mon rêve. On m'a coupé du bois. Attendez, je suis dans un rêve et il y a un caméraman qui me filme et pour me mettre dans une chaîne YouTube. Bon alors là je comprends rien. Les gens qui me regardent là, hein, normalement il est mardi pour vous. Moi je sais même pas quel jour on est, je sais pas dans quelle année on est, je sais pas où on est avec des moutons de tranches de cake. J'en ai marre. Oh bon alors on va manger une petite pomme pour me consoler. Ça fait toujours du bien. Allez petit, mais t'expliquer un nouveau truc. Il te faut déjà du stuff basique, mec. C'est-à-dire du bois et de la pierre. Va plutôt en couper et en casser, bien sûr. D'accord, merci. C'est quoi cette arbre bizarre? Cette arbre! C'est juste du bois en plus clair. Pour tes constructions de maison. Quoi? Mais je sais pas construire de maison, là. Tu vas me dire qu'il faut pas être maçon pour savoir faire des maisons? Eh ben, dans ce monde-là, il n'y a besoin d'être rien du tout. Même pas besoin d'aller être à l'école. Tu connais encore rien des mondes cubiques, mec. Bon, ben, je vais couper du bois. Hein. Oh là là. Mais je sais pas quoi faire. Oh, qu'est-ce qui vient de tomber? Allez, on va aller dans mes options. Ok. Non, home. Ah, d'accord. Pouce de chêne, il y a écrit. Ah, d'accord. C'est quoi ce bordel? On peut mettre ça dans la tête? Non? Putain. Je sais pas quoi faire. Bon, allez, on continue à couper. Mais putain, on est où? Ferme-la et coupe du bois. Bon, alors. On va faire comme si je vous parlais à vous, là. Puisque le caméraman me suit partout en me disant ferme-la. Hein? Alors, bonjour, les gens. Hein? Je vous ai même pas dit bonjour. En même temps, vu comment je stresse. Je pense que la viande crue ça a pas l'air très bon. Je pense que je devrais le couper. Je devrais le chauffer, mais comment? Je sais pas. Hey, pour casser de la pierre, il te faut une pioche. Débrouille-toi pour en faire. Une pioche? Comme ça peut-être. Non. Tac, comme ça. Non, espèce d'idiot, tu viens de faire une houe. Tu t'en occuperas plus tard. Ça sert à faire des plantations, mec. Comment ça s'appelle, ça? Ah, une pioche, oui. Cool. On sort des options. Moi, je vais pouvoir couper. Enfin, casser de la pierre. Il y en a beaucoup, là-bas. Bon. Je pense pas que je vais rester trop longtemps avec vous. Faudra que je m'habitue. Les prochains mardis, si je pense bien, le caméraman va faire tout le montage, je pense. Ouais, t'as tout pigé, mon pauvre. Je vais faire le montage et te poster toute ton aventure. Comme ça, les gens du vrai monde réel te suivront comme des espions.
Moi, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarre? On va casser du bois ici. De la pierre. Oh, d'accord, ça nous donne de la pierre. Ok. Bon. Je pense que je vais un peu visiter. Et puis après, je vais aller faire un petit sommeil. Avant que les monstres arrivent. Et c'est ça que j'ai le plus peur. Franchement, dans le monde réel, ça n'existe pas des monstres. Alors, petit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jeter toutes tes merdes que t'as pris, hein, genre tes armes en bois, car elles vont te servir à rien. Tu vas faire la même chose, sauf que tu vas utiliser de la pierre avec. Ah, d'accord. Bon, je continue à casser du bois vite fait, de la pierre. Mais c'est tout. Ok, je pense que ça devrait suffire. Bon, allez, j'y vais. Il y aura plusieurs façons dont je vais te filmer. Des fois, je me recule. Et, ah oui, j'avais oublié de te dire, mon petit, je t'ai foutu une petite caméra cachée dans toi. En fait, pour filmer en vue subjective. Ah, d'accord. Où je suis, c'était pas là que j'étais tout à l'heure. Aïe. Où je suis, c'était pas là. J'étais pas là. Bon, je suis perdu. Bon, c'est pas grave. Ouais, je vais m'installer ici, peut-être. Ok, bon. Mais par contre, mon lit. Il me faut mon lit. Je pense que c'était là-bas. Où il est, mon lit? Mon pauvre lit. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de cette eau déjà. Parce que je sais pas trop nager, oui. Hein. Comme ça, si les monstres arrivent, je pourrai survivre. Je vais aller chercher mon lit là-bas. Mon lit, où il est? Ah, voilà, il est là. On va le casser. Ouais, ok, il se casse très vite. On va casser ça aussi. Espèce d'idiot, tout ce qui est fait à base de bois, faut le couper avec une hache, tapette. Tout ce qui est fait en pierre, enfin des trucs durs quoi, ben c'est avec la pioche que tu tiens dans tes mains. D'accord. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais visiter un peu. Puis je vais essayer de trouver un emplacement, ben, où construire ma maison. Hein. Mon but, c'est d'être le roi. Construire une géante ville. Ah oui, petit. Sur ton chemin, tu peux découvrir des petites villas. Que ça, sont déjà construites. Pas besoin de les construire toi-même. Ok? Ah, d'accord. Bon. On verra ça, si j'en trouve en chemin. Ça serait cool. Ça s'appelle des villages PNJ. Il vit des habitants là-bas. Alors là, je m'enfonce dans une forêt. Très profonde à ce qui paraît. Bon. Je pense qu'on va s'installer ici, hein. Et puis moi, je vous dis au revoir et je vais essayer de comprendre le monde de ce monde bizarre, hein. Parce que je sais même pas comment ça s'appelle, ce monde. Ce monde? Le monde de Minecraft. Voilà comment il s'appelle. T'as pigé, petit? Bon. Moi, je te laisse. Je coupe le micro. Et j'utilise mon téléporteur. Quoi? Tu vas pas m'abandonner? Hey, reviens! Reviens! Ok. Il est parti. Bon, je suis encore avec ma caméra. Je pourrais lui transférer avec mon téléphone, je pense. La vidéo. Bon, alors moi, je vous dis où je vais m'installer. Ben, ici. Dans une plaine, ça s'appelle. On va appeler ça comme ça. Je sais pas si ça s'appelle comme ça dans ce monde. Parce que je connais rien de ce monde. Où elle est la plaine de tout à l'heure? J'ai perdu la plaine de tout à l'heure, mais quel idiot! J'ai aucun sens de l'orientation. Je sais pas si on peut faire des boussoles dans ce monde bizarre. Mais on testera. On va apprendre au fur et à mesure. Bon, je pense que c'est ici que je vais m'installer. Moi, je vous dis au revoir. Hein. Je vais rester ici avec ces animaux. Des lapins, je pense que ça s'appelle comme ça. Et des moutons. Et des trucs oranges. Bon, allez, moi je vous dis au revoir. À la prochaine tout le monde.